Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message guérir de ses blessures émotionnelles. Nous sommes mardi 20 juin 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Eh bien aujourd'hui, j'ai pigé la co-création. Est-ce que vous avez besoin de trouver un équilibre? Vous êtes responsable de votre vie et en même temps, eh bien, une ou plusieurs personnes ont créé avec vous des expériences communes. Et en fait, vous partagez cette responsabilité avec quelqu'un d'autre. Et cette personne n'est pas un coupable, n'est-ce pas? Cette personne est tout autant que vous un co-responsable, un co-créateur de l'expérience que vous avez vécue. Cette carte, elle vient à vous parce que vous avez besoin de trouver l'équilibre entre votre responsabilité et celle de l'autre. Pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à prendre votre responsabilité peut-être. Est-ce le cas? Ou prenez-vous la responsabilité de l'autre? Est-ce le cas? Vous avez 100% de responsabilité, notamment de ce que vous faites de votre passé. Et l'autre aussi a son 100% de responsabilité. Vous êtes responsable et les auteurs d'abus, de maltraitance, d'abandon aussi le sont. Ce n'est pas parce que vous êtes créateur de votre vie que l'autre n'est pour rien dans votre souffrance. Et dans certains cas, eh bien c'est salvateur et juste de lui rendre sa responsabilité. Même s'il possède sa part de responsabilité, vous ne dépendez pas de lui pour vous guérir. Vous dépendez de vous. Vous êtes aussi 100% responsable de votre guérison. Ce sont vos choix qui vont vous guérir. C'est pas le choix de l'autre. Alors, les lectures, rencontres, thérapeutes et situations que vous connaîtrez ne sont que des outils de la guérison pour laquelle vous œuvrez. On va vous donner des outils. Mais le travail, c'est vous qui devez le faire. Ce n'est pas le thérapeute. Ce n'est pas la lecture. Ce sont des outils, c'est comme la carte du tarot, n'est-ce pas? Il a tous les outils sur son établi. Et de plus, cette carte, elle annonce l'arrivée d'une puissance supplémentaire car vous mettez l'équilibre entre vous et les autres. Pour certains d'entre vous, c'est l'arrivée d'une puissance supplémentaire en reprenant le pouvoir sur votre vie. Vous allez enlever ainsi le pouvoir que vous avez donné à l'autre de vous rendre heureux, heureuse, de vous reconnaître. Il y a un élément déclencheur qui va faire que vous allez mettre un équilibre dans votre vie. Vous allez reprendre la situation en main. Alors n'oubliez jamais que c'est vous et seulement vous
qui avez la clé de votre épanouissement, ce ne sont pas les autres. Et c'est très bien cet élément déclencheur qui vient, que vous prenez conscience de cela, qu'il est grand temps, voilà, aujourd'hui, d'équilibrer votre vie. Posez-vous cette question. À qui avez-vous donné le pouvoir de vous rendre heureux ou malheureux, heureuse ou malheureuse? Alors aujourd'hui, je trouve mon équilibre intérieur, j'ai le pouvoir de me rendre heureux, heureuse, et j'attire la guérison et la paix dans mon existence. Vous dites cela 3 fois. Waouh, c'est un super message, n'est-ce pas? Et là, on met le point, on met le doigt sur la problématique. Peut-être que ça vous parle, que ça parle à certains. Évidemment, je dis toujours que cette vidéo, ça ne parlera pas à toutes et tous parce qu'on ne vit pas la même vie. Chacun et chacune ont des vies différentes et ont un karma différent. Mais ça nous permet de faire un beau travail sur soi. Et voilà, à partir du moment où on met le doigt sur ce qui ne va pas, eh bien, on peut y travailler. Waouh, c'est un super message. Alors, on termine par le message des fées. Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie. Pour ton plus grand bien, ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Waouh ! Mais regardez un peu quelle belle synchronicité. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie. Et là, certains d'entre vous, vous allez prendre l'initiative d'équilibrer votre vie. Vous voyez, quelle belle synchronicité, n'est-ce pas? Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Mais oui, ça sera très salutaire pour vous. Vous allez reprendre votre vie en main. Voilà, votre pouvoir. C'est superbe, c'est un beau... Voilà, que la magie opère, on va le dire comme ça. Que la magie opère. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain. Et d'ici là, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et pour ma part, moi je vous embrasse. À demain.